mec. Hey mec, t'as pas un petit truc à... T'as pas un petit truc à... T'as pas un petit truc... Hey mec, tu t'en sers ton sac en plastique, là. Je vais le brûler pour un petit peu... Tu vois, trop petit, trop petit. Moi, j'aime que les sacs poubelles. Tu sais que je pars en Thaïlande, là. Je pars en Thaïlande, là. Je suis parti il y a 2 mois. Il y a 2 mois, j'ai quitté la place de la Bastille. Et je suis à la porte d'Orléans. Faut que je fasse du sport, là. Tu sais que les mecs qui avaient les amphétamines, ils sont venus chez mes parents avec le frère de l'autre américain, l'autre qui était pas venu, qui jouait de la guitare. Tu sais, l'autre, ce qu'il a fait, il écrasait les yaourts sur le tapis. Ah ouais, parce que les yaourts sur le tapis, ça fait des dessins. Et si t'es vapé, ça te fait planer. Mais après, ça part pas, hein, ça part pas. Hein. C'est pour ça que je pars en Thaïlande. Qu'est-ce que tu fumes, là? Du tabac? T'es dingue, c'est mauvais pour... J'ai déjà travaillé, moi. À l'hosto, je poussais les chariots. Alors, tu peux pas te gourer, hein. Tu suis les flèches. Hein. J'ai oublié d'envoyer les cartes postales. Je pars en voyage, j'envoie pas les cartes postales. Ah ouais, t'as raison, je vais attendre que j'ai quitté la porte d'Orléans. Pour aller en Thaïlande, tu passes par Lyon, toi? Tu sais qu'à l'hosto, t'avais pas le droit de fumer un joint. Moi, je fumais aux chiottes. Hein. Et après, dans la salle d'opération, ça sentait la cam. Hein. T'avais des malades, ils étaient complètement vapés. Hein. T'avais des malades, ils revenaient à l'hosto rien que pour l'odeur. Moi, ils m'ont renvoyé parce que je bouffais pas à la cantine. Je bouffais des tranquillisants. T'aimais ta purée, t'aimais ta chou-fleur. Hey mec, y a une bagnole qui s'est arrêtée pour moi. Je vais essayer d'y aller. Aujourd'hui, je me sens vachement lucide. Je suis tellement lucide que je sais ce que je vais te dire avant que je vais te le dire. Là, je t'ai souri, là. Je savais que j'allais te sourire avant de te sourire. Ah, mec, il y a une deuxième bagnole qui s'est arrêtée pour moi. J'aime pas ça, ça fait fouillis. Putain, c'est mon père! Dis donc, Gérard, mais qu'est-ce que tu fous à la porte d'Orléans tous les soirs? Ça fait une semaine que je te prends en stop. Allez, viens.